Compatriotes haïtiens, frères et sœurs, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Gentil proverbe créole landil, tout menti par fond, vérité pas qu'à cacher. Eh bien, vidéo Garikoni prend la rue, vidéo premier ministre, eh bien, qui lui-même, il tape sémenté, 7 fois 77 fois, causé politique dans la coupe d'Haïti, coupé sa sec. Eh bien, comment Garikoni fait là? Comment premier ministre Garikoni fait là? Haïtiens, frères et sœurs, ou pral gen tout détail yon a bon ti mamite rete connecté. Yon lot bon ou gen partisan, se partisan et Guy Philippe yo ki hier yo tap organisé et manifestation mobilisation dans différents villes États-Unis. Eh bien yon longe lwet yo tout longue sou Wyclef Jean ki li même a boycotté mouvement révolution Guy Philippe la ka boycotté Guy Philippe. Ou pral gen tout détail yo. République Dominicaine, président dominicain Luis Abinader, li décide monter volume nan sou haïtien. Et bien nan moment la gen gros disposition ki prend kont compatriotes haïtien nou yo. Ou pral konnen exactement ki sa bagay ranye. Nou pote et message pou Garikoni, nou pral partager la avec ou tout. Et compatriotes haïtiens, frères et sœurs, causer politique là en pile, puisque semaine ça, c'est semaine décisive là. Garikoni, pour un pile, moun se show off, li ta fait hier dans Port-au-Prince. Alors que pour un pilote, premier ministre Garikoni, c'est un homme d'action. Eh bien, haïtiens, frères et sœurs, nous pral parler. Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y est? Espérons en forme. C'est un grand plaisir pour nous là ensemble, pour nous continuer pour porter information pour vous. Pour nous continuer à brasser l'idée sous tout petit détail qui a dominé l'actualité. Déjà, m'a invité ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter, abonner, activer la cloche de notification. Comme ça, vous pouvez vous connecter avec nous, pas rater aucune non vidéo de formation n'a gagné pour nous poster. Compatriotes haïtiens, frères et sœurs, Garikoni, hier dimanche, eh bien, il débarqué dans le Cap Port-au-Prince, il monte Chablendel. Li gen un gilet pa bal li sou li, li gen kasi nan tèt li, Garikoni, eh bien li te al gade ak Denawel sa ka pase nan Port-au-Prince. Si pou anpil moun Garikoni se show off li ta fè, eh bien pou anpil lot Garikoni est un homme d'action puisque li pa seulement vini rete chita de biwol, ou konprann? Mais premier ministre, lèl vini la, li deside fòk li al gade sa ka pase. Et c'est pas blague, nos compatriotes haïtiens, frères et sœurs. C'est pas blague. Et voilà, là, nous avons gagné une image. C'est hier, Garikoni, il est dans Chablendel. Il prend le garde avec Denawel, il a parlé avec un capabinity LBA. Vous comprenez, là, c'est directeur administratif police. Gros paquet au cadre dans l'état-major la police qui lui-même et qui ont même été en dedans blindé. Garikoni, il a constaté les dégâts. Est-ce que réellement action le pose hier lancé show off Jean Pile mon a dit ou bien et Garikoni hier li montré li sous travail parce que qui ça bagaille là si Garikoni li te vini compatriotes haïtiens frères sœurs li te rete li pas de jamais constater dégâts ou al garder ça qui t'est passé et dans Port-au-Prince même moun kap di c'est show off la faire yo même moun kap di c'est matu vu ou comprendre c'est sous fou là il y yo. C'est même yon même qui t'a pral du pawel an, ni vini la, ni kole deriel nan primature, la bien manje, la bien brel pa san yen. Li ale nan pri, li ale Port-au-Prince, li al gade, la constate de gayo, donc c'est même haïtien an kon kap du pawel, c'est show off la fait. Donc à un certain moment, faut que nous prenons un petit recul, vous comprenez? Et même là nous pas ta reme on moun, même là nous pas ta vle on moun, nous pas di la avec on moun, mais au moins au minimum moun nan fait ki, nous wè li gen sens li bi ka apprécié parce que et LB depuis février bandi a krasé Port-au-Prince LB était sous place LB pas descend non fois faudrait-il ce Garikoni qui était sorti États-Unis pour faire LB rentrer non Chablendel al garder ça qui t'a passé dans centre-ville donc pour moi ça c'est position c'est opinion show off ou pas m'as-tu vu ou pas. Vous comprenez? Et fou là ou pas, mais au moins, il te prend risque là. Il te prend risque, il te descend, il mette cassé dans la tête, il m'a regardé long photo avec petit gilet sous lui, tout coûte sous lui, mais quand même, il te allé. Est-ce que nous comprenons? Compatriotes haïtiens, frères et sœurs, je quitte le article là, n'avance. Puisque là, Garikoni, gros vidéo qui vraiment secoué et étoile là, là parce que Garikoni en 2012, Garikoni, il bat l'estomac, il s'est menté, il va tourner dans la politique en Haïti.
Li pa vin prendre job l'état, qui ça gari qu'on y a fait là? Mes amis, on a regardé avec moi parce que m'pa ka di nou bagay ça, c'est montrer pour montrer nous. On a regardé avec moi déclaration et premier ministre Gary Conille qui t'a bail des détails. On a. Dans une circonstance, il a bien songé, on avait choisi deux premiers ministres qui partent passer. Il y avait une situation d'urgence parce qu'il y avait des centaines de millions de dollars bloqués, des milliards de dollars bloqués, pas de cas de caisser sous projet parce que pas de gouvernement. Le président a fait appel à moi et quand il a, face à cette situation, on a voulu donner notre contribution. Je quitte le gouvernement en mai, on prend deux décisions. Première, c'est que si restant que nous allons dévouer autant que possible pour nous faire cette contribution par nous. Deuxième, c'est que moi-même, job de l'État, je ne vais jamais moi encore. Il y a une seconde. Est-ce qu'on nous donne? En 2012, Gary Conille l'a quitté fonction. Hein? Et 2011-2012. Le Gary Conille a quitté fonction, compatriote Haïti Frasseur, il y a deux décisions Gary Conille prend. Prends son, prends ton pour tendre à la fin, ok? N'a pas replay. On a l'air. A bien songé, on avait choisi deux premiers ministres qui partent passer. Il y avait une situation d'urgence parce qu'il y avait des centaines de millions de dollars bloqués, des milliards de dollars bloqués, pas de cas de caisser sous projet parce que pas de gouvernement. Le président a fait appel à moi et quand il a, face à cette situation, on a voulu donner notre contribution. Je quitte le gouvernement en mai, on prend deux décisions. Okay. Première, c'est que si restant que t'es non, on va dévouer autant que possible pour nous faire ces contributions par moi. Et deuxièmement? Deuxièmement, c'est que moi-même, job l'État, je ne vais jamais moi encore. Bon! Deuxième, nos compatriotes haïtiens frères, c'est pas moi qui dis, c'est pas moi qui te mette la bouche. Son Excellence, Monsieur le PM, lui dit job l'État, pas de droit, jamais encore. Bonjour, aujourd'hui, qui ça fait, Monsieur Conille, changer l'idée? Eh bien, formule pour sauver le pays, pour changer le pays, elle n'a pas. Nous mettons quoi? Nous mettons quoi? Parce que Gary Conille, li kapèl dou après le fin démissionnel qui te fonction, li prend deux décisions. Première décision, la prêter, la fait ça qu'on fait. La bay kout men en façon pâle. La travail dans UNICEF et de timounio, assister timounio. Et l'autre décision, le prend, deuxième décision, le prend, et puis go décision, job l'État, par les doigts, Jean-Mouel. Mais qui sa Gary Conille vin fait là? Nous prenons comprendre, compatriote Haïtien Frèchem, Gary Conille à l'époque, l'ELTE fait déclaration si là, n'a pardonné lui parce que l'ELTE fait déclaration si là, il était vivre une expérience amère avec l'ancien président Michel Joseph Martelly. M'a vinn défendre PM Conille, non, m'connais nous, m'a vinn défendre Gary Conille, non. Gary Conille, compatriote haïtien frèchem, lui vive à arrogance ancien président Michel Joseph Martelly de manière démesurée. Nous avons démesuré, lui vivre à arrogance matérielle, lui arrogance sans limite. Donc, pas caché dit nous, le Gary Conille était premier ministre Martelly, soit administration Martelly. Gary Conille avec Martelly, yo gen expérience pa yo. Et gen des série de moun nan média, des série de patrons média. Comme yo kadou, ça yo secret d'état yo pa di yo. Mais gen des bagay ki pa santé li avec Gary Conille, c'est bagay ki grave. C'est bagay ki grave, on président, on premier ministre face à face, yo té même dans la limite pour yo prend poignette, pour yo mettre poignette. Pendant Gary Conille était premier ministre Michel Joseph Martelly. Donc là elle té camp elle té di, job l'état ba doit jamais wèl encore, n'a pas comprendre ni. Parce que l'expérience à Martelly te quitte un goût à mener en bouche. Mais pas oublier, mais c'est où que tu fais déclaration, archiviola. Mais je ne veux dire, il n'y a pas de job l'État, il y a un job international, on continue à faire. Ok, je comprends. Ou elle me dit, nous, il ne faut nous pas trop lapider, il ne faut nous pas donner. Est-ce que nous comprenons? Nous, à côté de nous, il faut que nous comprenions. Donc, je ne veux dire, ce n'est pas un job l'État, ce n'est pas un job national, la fête, c'est le job de l'international. À ce qu'il paraît. Bon, et on nous fait camper là parce que ça fait pays pas gagner rigolade, pas gagner et blague. Donc je ne j'ai dit à comprendre la situation pays d'Haïti à traverser là, la situation pays en est là.
Nous besoin monde qui responsable, nous besoin monde qui cohérent, nous besoin monde qui compétent, nous besoin monde qui crédible avant tout pour défendre pays, pour goumer pour pays. Nous pas besoin des séries sous prétexte que moun nan c'est des habitués tant que docteur Louis Gérald Gélité Dou Gary Conny yo choisi parce que Gary Conny li déjà gè expérience politique là té ancien premier ministre. Non, nous pas choisi moun de pas expérience politique li. Si expérience politique moun nan c'est zéro barre il té fait, pour qui raison pour nous retourner avec lui? Si expérience politique moun nan li pas rive changer rien en termes de sécurité, de violence, économie pays nous craser rapieté et pour dire de pas expérience politique mon za qui expérience politique qui bilan politique est-ce que nous comprenons? Donc journée aujourd'hui en compatriote haïtien frère chemin voulait nous caler genou nous voulait nous continuer goumer pour ça nous voulait nous voulait nous continuer bataille pour nous faire tant de voix nous pour nous faire tant de cris nous pour nous bataille pour ça nous croire là-dedans. Compatriote haïtien frère chemin hier j'ai m'était annoncé bien gagné un groupe haïtien qui dans diaspora qui ont même été organisé et plusieurs et manifestations dans diverses villes États-Unis. Et des manifestations qui étaient programmées dans New York, des manifestations qui étaient programmées dans Floride, des manifestations qui étaient programmées dans Boston, des manifestations et qui étaient programmées dans diverses lots et villes encore et manifestations ça on pas caché dit non. Pour une raison ou pour l'autre, à toute équipe là, li pas comblé. Li pas comblé parce que en pile haïtien yo toujours dou, mais qui ça yo vle, yo toujours paré yo, oh, m'ta remé tel bagay, m'vle tel bagay, m'ta remé wè tel bagay. Mais yo pas paré pour yo bataille pour yo mettre men en patte là pour atteindre objectif là. Et m'ta toujours remé dil, nous doit monter en communauté aux États-Unis. Nous États-Unis monton communauté, nous en France monton communauté, nous Espagne monton communauté, nous en République Dominicaine monton communauté, nous Turquie monton communauté, en communauté. Parce que si nous pas monter en communauté compatriotes haïtiens frères sœurs, n'a toujours dans même problème ça avec international dans chaque pays, nous passer dans chaque pays gay haïtien. Parce que leur besoin haïtien pour régler bagage sérieux, yo pas mobilisé, yo pas prendre la rue. On a suivi ensemble avec qui gens ça t'était hier dans cadre mobilisation. Et qui t'est programmé diaspora unie t'est prend la rue t'a revendiqué droit yo t'a revendiqué et devant communauté internationale là devant États-Unis OEA CARICOM qui impose un conseil présidentiel et transition alors que et yo même yo dit c'est Guy Philippe yo vle en nous suivre ensemble avec qui j'ai situation lui même il t'a évolué. No matter the feeling, I don't give feeling. No matter the feeling, I don't give feeling. I don't give feeling. No matter the feeling, I don't give feeling. No matter the feeling, I don't give feeling. No matter the feeling, I don't give feeling. Compatriotes haïtiens frères chums. Ou pral gade, ou pral wè et moun yo ki nan la rue, moun yo ki sorti et vraiment pas de gen, comment te ka di ça, pas de gen recette qui t'est faite. Pas de gen recette qui t'est faite parce que moun yo haïtien choisi rete la kayo. Ça rete la kayo, rete la kayo. Ça qui allé et New York allé nan parade, chaîne parade côté Wyclef té à la tête. Donc, moun yo pas répond, haïtien pas répond à l'appel. Haïtien qui nan diaspora qui yo même yo dou yo vle Guy Philippe, yo vle Guy Philippe. C'est derrière téléphone yo, yo vle Guy Philippe. Et c'est derrière caméra yo, c'est dans la caillou, mais quand il s'agit pour yo fouler béton pour yo al faire passer revendication, yo pa wè yo. Ou pa wè yo pa senti présence yo. Donc mes amis, appel la lancé, le gen initiative haïtien ka pran. Notre diaspora faut nous faire nous wè, faut nous faire blanc wè nous là. Faut nous faire international là où nous existons. Faut nous faire connaître qui ça nous demande, qui ça nous voulait. Mais c'est pas rester là caille nous, on fait silence, on comprend et puis après on dit bah nous Guy Philippe. Non. N'a pas Guy Philippe. 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 N'a pas Guy Philippe, n'a pas Guy Philippe, n'a pas Guy Philippe, n'a
Bon, voilà, compatriotes haïtiens frères et sœurs, c'est comme ça dimanche chanté et pas bon côté haïtien yo et qui yo même hier yo bon haïtien ça yo courageux en pile, yo courageux en pile parce que et yo foulé béton, yo foulé maradam nan. Et même le yo pas en pile, mais quand même signal yo vle faire passer, un message yo vle faire passer, yo gagné et écrit yo nan men yo gagné tableau yo écrit sous li etc pour yo font message passer pour yo voyon message passer donc ap gen l'autre initiative rap gen l'autre manifestation qui programmé donc ou États-Unis là yo di gen manifestation qu'a organisé pour parler avec États-Unis pour parler avec administration Biden nan, pour parler avec OEA al participer c'est al participer c'est pas d'où vle Guy Philippe ou Yannick ou Guy Philippe pour pas comprendre ça étranger a fait ça États-Unis a fait etc. C'est à participer parce que si ou sous place ou là yo lancé mobilisation c'est à participer. C'est consoir qu'a fait revendication l'an passé dans moyen qui plus juste. Donc et pas rien de tout ça, pas rien de débat sur ça. Compatriotes haïtiens frères chèm, n'avancer. Nous gagne un message pour premier ministre Gary Conille. Qui ça bagaille là yé en a regardé étendé. Sous question de Gary Conille, peut-être moi-même, je ne pas vouloir saluer l'arrivée Gary Conille dans ce pays. Pour une raison bien simple, c'est parce que Gary Conille, l'aime garder ensemble de monde, moi qui déjà peut faire sortir des notes pour féliciter Gary Conille, eh bien, là, automatiquement, ça me tient dans l'esprit, non, ça me tape réfléchi depuis plus de deux semaines, non, eh bien, ça vient faire, vient cohérent, vient rester, vient. Ça vient confirmer ça que t'es dans l'esprit, ça me réfléchit. C'est même mission, c'est lui-même vraiment qui a accompli là. La question de Gary Conille. Monsieur Jodi a choix Gary Conille. Peut-être c'est un choix nous dit qui, bon, n'a pas utilisé. Moi-même, comme un élément de gauche, moi-même, si je n'ai pas rien pour me faire un choix pour le pays, je ne sais pas quoi Gary Conille ça. Yo. Je ne sais pas quoi c'est eux-mêmes qui t'ont camouflé dans l'esprit même pour une seconde. Mais dans la situation pays est arrivée là, comme dit nous, Gary Conille fait partie de ça qui est là, il fait partie de la crise Haïti à traverser là, et mais c'est normal même, lui-même il a toujours venu pour le voir s'il a voté contre le pays. Je vais expliquer ça, c'est bien simple. En 1915, les États-Unis étaient débarqués en Haïti. C'est ça que nous avons subi, l'occupation américaine. Ils ont fait 19 ans en 1934, ils ont crasé l'armée révolution que nous avons en Haïti. Ils ont créé trois propres forces militaires pour l'armée d'Haïti. Ils ont quitté là. L'armée d'Haïti, ça, c'est les mêmes Américains utilisés pour faire tout coup d'État en Haïti. Ils sont venus en 1994 et ils ont traversé. La situation a empiré. Les gens dans la société commencent à réfléchir. Ils ont dit l'armée ça pas en avantage de la population. Parce que même si Dominique a touillé Haïtien en République dominicaine, l'armée ça pour que j'en fasse une intervention. Mais ce peuple-là, l'armée a masquiné, eh bien, les gens commencent à être clairs, ils ont révolté contre l'armée. Ils n'ont pas le droit d'Amérique pour venir en 1994, ils n'ont pas crasé l'armée ça, ils n'ont pas le bonheur de police nationale. Ça est retracé, ma retracé, fait pour m'expliquer, nous, ça me semble expliquer nous de venir à Riconi là. Eh bien, là où fait police là, je dis à nous, une situation, côté, ils ont voulu démanteler la police nationale là encore. C'est ça que fait. Ambassade américaine, Amérique Negio, dans tout cas c'est populaire, yo ba moun zam, yo ba moun l'argent, yo créé un climat pour faire population pas qu'à résister encore, c'est juste pour justifier l'arrivée d'une force internationale. Eh bien, pour le sens de la vie n'est puissant, nous gardons nous, en opération à village de malgré la demande de backup, au état-major de la police là, pas jamais vous backup, ça fait ça, c'est parce qu'ils sont l'autre ambassade américaine. Si l'ambassade américaine dit voyez backup, il y a voyez backup. Mais comme l'ambassade américaine pas bas au lot, pour voyez backup, il y a voyez backup. Eh bien, on a regardé, il a affaibli la police. Eh bien, je dis, quand nous arrivons là, après l'assassinat du président Jovenel Moïse au pouvoir, qui tape mal marché, nous venons regarder les États-Unis, venons regarder le climat qui a montré en Haïti, côté la gauche, après le pouvoir dans toute zone, ils ont regardé la Russie a monté en puissance, ils ont regardé chaque manifestation qui fait en Haïti. Yo, c'est drapeau la Russie, drapeau la Chine qui a monté. Et bien les États-Unis qui contrôlent le pays d'Haïti, qui gagne le pays d'Haïti, c'est pour yo.
eh bien, ils ont créé toutes sortes de confusions pour permettre, ils ont toujours gagné même mise, ils ont toujours gagné hégémonie, pour y retirer l'idée peuple haïtien à nourrir, l'idée révolution peuple haïtien à nourrir. Alors, bien dit, l'idée révolution, ce n'est pas l'idée révolution qui Philippe Devine avait là, parce que c'est toujours joué blanc. Mais c'est l'idée ça, peuple haïtien à dans la rue, ils n'ont pas voulu les États-Unis, ils ont compris ça, l'Amérique a fait. Ouais. C'est lui, ils ont fini de comprendre ça, monter, pour retirer ça dans l'esprit peuple là, et bien, ils ont fait des matraquages. En imaginant, je vais venir en face, côté blanc, à travers CARICOM, ils ont fait un conseil présidentiel. On a regardé un dans élément, les gens qui ont un conseil présidentiel, c'est des nègres. Quoi voulez-vous vous parler? C'est des nègres qui ont l'école. C'est des nègres qui ont dit société qui a fait confiance. Mais, dans le jeu qui vient dans ça, ça qui va être aussi dangereux, c'est regarder comment c'est performé. C'est pour une idée haïtienne. C'est pas ici que tu as dit aujourd'hui à la fois, il y a un consensus. C'est blanc à travers CARICOM qui dit, bon, pays arrive dans face là, mais comme on peut le dire, yo met ton conseil. Après, on finit de mettre le conseil là, et pas oublier avant le conseil la fête. Monsieur là, il y a un groupe gang, ça fait à Jamaïque, il fait États-Unis, il fait Porto Rico, il fait dans plusieurs autres pays dans cette zone là. Là, un groupe gang a boumé face à l'autre groupe gang. Côté, il y a maman qui mourit, il y a petite qui mourit, il y a madame, il y a femme qui violée, tout, il y a boumé entre eux pour le territoire. Et puis, on a un matin, on a de lever, on a fait vivre ensemble. Ce n'est pas une facilité. C'est parce qu'il y a un même boss. C'est l'ambassade américaine qui bosse. Il lève un jour matin, il dit monsieur, on va le faire en Haïti là. On prend une proposition. Nous-mêmes, mais qui bosse, nous devons gagner. Nous devons fusionner nous pour nous faire vivre ensemble. Et bien, je dis à même gens qui font vivre ensemble, ils ont fusionné un groupe Mundou. Ils ont dit on fait CPA. Là, on fait CPA. Ils regardent parmi tout le monde. Si ils prennent un nègre qui a une idée nationaliste, qui a une idée révolutionnaire dans la tête, comme premier ministre, et bien, c'est la vie, merci à terre. Ils ont vu garder la configuration. Ils ont dit qu'il faut que les gens qui ont agencé bien ensemble avec CPA, ils ont fait appel à Gariconi. Gariconi qui est joyeux, qui fait tout le travail pour la communauté internationale dans plusieurs missions. C'est normal pour venir avec Gariconi. Et c'est ça qui fait si CPA lui-même n'a pas choisi Gariconi, nous avons pris non-sens. Nous avons pris monsieur qui n'est pas cohérent. Parce que si c'est CARICOM, c'est blanc qui mettait nous, et bien blanc dit même pour nous, moi, pas grâce aux idées là, ou pas qu'il pouvoir vous décider encore. C'est ça que fait moi-même, moi, CPA lui-même, jusqu'à présent, côté à Braléa, qui on doit chemin parce que c'est boss yo, c'est pas bah, haïtien qui a pris les, c'est boss yo qui mettait là, c'est boss yo qui dit, mais qui est courrier comme premier ministre, et bien c'est normal, qu'on y a un bras là, non, CPI a un bagaille. Ça me parle, c'est un bon prophète de malheur, et me parle de la prédiction sous pays a comme un malheur. Je dis à ici de nos phases, côté qui quelque bagaille qui possible qu'il a fait. Peut-être nous, on peut le monde casse zéro un fou, mais c'est réalité. On va le dire comme haïtien, plein le monde pas accepté d'étendre les mondes à parler vérité. Mais moi-même, ça m'a dit, c'est la vidéo ça yo, parce que dans 3 ans, dans 4 ans, peut-être n'a pas le gueule envie d'étendre yo. Si me fait mentir, pour peut-être m'pas qu'à camper avec organe, moi m'a parlé fort comme ça encore. L'on prend un pays côté un CP, c'est blanc qui fait CPA. Ou un premier ministre comme chef qui a formé un gouvernement, c'est blanc qui mettait. Ou qui vivent ensemble, ça ne relève les gangs, c'est eux qui ont fait le peuple à déplacer, ça qui fait c'est blanc. Et bien, je dis à vous, c'est normal même. Blanc, qu'on a toute affaire, non mais qu'on a nos mêmes peuples là, faut que nous disions clair. Ce n'est pas shooter pour nous shooter sur CPA. Ce n'est pas shooter parce que nous disons que nous sommes puissants déjà. Si nous sommes puissants, on imagine nos cours rapides. Ce n'est pas des nègres pays pas dirigés par tâtonnement. Ce n'est pas des nègres qui pas formés qui ne font pas ça à faire. Ce sont des nègres qui sont bien formés qui passent dans l'université de l'État, qui passent dans l'autre université à l'étranger. Si je dis à eux, bon, pour nous, premier ministre, nous avons invité tous nos débats publics, côté nous avons fait débat à Villa d'accueil, côté tout le monde a des possibilités, nous avons changé les médias, les journalistes, ça peut couvrir l'intervention. Seul passe que Gariconi pas qu'à entrer en Haïti, eh bien, CPA dit bon, ok, pas de problème, nous avons retourné sur la décision, nous n'avons pas fait visioconférence. C'est pour Gariconi qui a parti. Exactement. Eh bien, c'est normal. Si c'est blanc qui a arrangé tout le bagaille, qu'on y a là, faut que le peuple haïtien reste vigilant pour aujourd'hui, tout tac qui est pour attaquer, c'est directement l'ambassade américaine. Parce que c'est l'ambassade américaine qui est tout à fait en main, j'ai un problème de sécurité, j'ai une force étrangère pour venir. C'est eux-mêmes qui ont sécurisé.
yo même qui gagne pouvoir l'état dans main, yo même qui gagne économie, hein, yo même qui gagne sécurité appareil sécurité, et c'est eux même qui gagne gang là. Mais faut dégager à tout prix pour avoir une solution. Malgré me connaît solution après le bail là c'est pour un petit bout de temps parce que pas oublier Gary Conny c'était chef cabinet Bill Clinton avec CIRH. Blaine Ball et CIRH, c'est après le tremblement de terre le 12 janvier 2010. Eh bien, il y a un ensemble de fonds, communauté internationale, l'autre partenaire, Tabba Haïti, pour y être géré comme ça, il y a dit il faut que vous puissiez pouvoir des têtes, côté de votre premier ministre haïtien à l'époque, avec Bill Clinton qui était ancien président des États-Unis, il y a fusionné, il y a dit c'est monde ça pour gérer la question de l'argent pour faire développement d'Haïti. Eh bien, c'est même Clinton ça, avec même Gary Conny qui était chef cabinet, c'est eux-mêmes qui prennent tout comme ça quand ils tournent vers les États-Unis. Ça veut dire nous-mêmes, nous pas qu'à être que haïtien, être que militant, être que monde qui avisé, être que avant-gardiste, eh bien, nous pas qu'à espérer grande chose de Gary Conny, nous pas qu'à espérer grande chose de secteur privé, de CPA, mais quand même, sous quelque soit forme, ils sont obligés de faire des choses pour yo baisser le niveau de sécurité parce que c'est eux-mêmes qui créent. Et puis, pour peut-être y aller dans l'élection, peut-être pour combien de qui fait. C'est ça que je peux comme garantie d'équipe ça qui l'a. Jusqu'à présent, je connais clairement le niveau de sécurité. Jusqu'à présent, quand on a parlé de ça, les gens qui ont pour devoir, qui ont pour mission, comme c'est eux-mêmes qui mettent en sécurité, ils ont pour mission pour baisser le niveau de sécurité pour nous partir faire le cadre de sécurité dans le pays. C'est ça que moi, je m'a dit nous, comme c'est la première question que vous posez, moi, je vais vous élaborer. M'a dit nous clair, Vini Gary Conny, peut-être que plus de monde qui constate son échec, mais Vini Gary Conny là, comme c'est mission et projet blanc, Vini Gary Conny là, c'est normal même pour nous laguer toute bagaille parce que aujourd'hui à Haïti, nous prouvons que nous avons 40 monde. Parce que si nous n'avons pas 40 monde, aujourd'hui, nous avons un ensemble de monde qui est dans le CPA là. Quand vous voulez, quand vous parlez, il y a des monde dans le CPA là, peut-être qu'on peut faire un petit crédit. Pour regarder le temps pour Emmanuel Ventilaire, ou quand c'est tout le bagaille de Ventilaire. Mais, regardez dans le passé ventilaire, il y a des barrières ou pas qu'à dire de mal. Mais José est dans le conseil. Malgré ça, malgré tout le monde qui est dans le conseil, peut-être ensemble de nous faire confiance, malgré ça, ouais, il y a sous l'obéissance de seul monde, de seul secteur capacité, c'est la communauté internationale. Pour finir, vous parlez de sécurité et insécurité. Kenya doit venir en Haïti selon accord. Et selon information qui a circulé, l'Assemblée a gagné environ 2000 policiers qui doivent aller au Kenya pour prendre formation. Si c'est un vrai policier ça yo, pour aller, et si c'est un vrai Kenya venu, qui a venu pour les Haïtiens sur le plan sécuritaire? Bon, je dis à ça, je vais dire non, pas gagné qui nous fait. Nous sommes parlé nous de comment la médaille s'est fait craser, comment vous le sens de la télévision là. C'est montrer, pendant qu'on parle de la police nous, aller Kenya à la conformation. Pas oublier dans cette zone là, nous avons soit là, qui c'est une nous soit qui peut bien équiper dans cette zone. Et lorsqu'on regarde le niveau de formation, nous avons dit Kenya a gagné, nous avons Kenya a gagné, nous avons gagné. Il n'y a pas même, il n'y a pas de niveau de formation policière a gagné. Pas mal de nos bagages. Mais monsieur, sauf qu'on n'a pas égaré au peuple à égaré. Comment comprendre la police nationale qui est ce qui fait? Toute première promotion, deuxième promotion, côté de formation, c'est nommé étranger, si tout nommé américain pour formation. Ça veut dire pour Kenya Vinzim, au bien monde qui l'a comme dit, ils mettent formation américaine, bail, policier par nous. En doute, pour les policiers kenyans qui ont fait formation pour nous, ça veut dire nous gardons nous l'esprit. Ouais, c'est toujours jouer la communauté internationale. Tout ça, ils ont dit, aujourd'hui, ce n'est pas l'IAB dit demain, et sans rien, ils ont présenté sous papier, ou mettre clair, virer papier à l'autre face, ou après, ce n'est pas l'IAB, ils ont gagné comme agenda. C'est ça que fait nous-mêmes comme presse là. Qu'a fait un travail, peut-être nous avons dit qui pas gagné prix dans le département nord. Je pense que ce qu'a fait là, il n'est pas novice pour personne. Ce qu'a fait là, c'est matraquage de l'ambassade américaine, c'est les États-Unis qui gagnent, je dis, en question de la géopolitique entre la Russie, la Chine, les États-Unis. Et bien, je dis, à côté, nous revenons en face de Haïti. Il n'y a pas eu l'autre monde qui mettait, c'est les États-Unis pour justifier venir une force étrangère. Et ma voix dit nous l'autre bagaille. Ça m'a dit nous là, c'est un bagaille qui est extrêmement fragile, mais c'est un réel. Monsieur, je vous dis clair. Niveau insécurité, ça qui là, il n'y a pas même besoin de faire qu'une autre force militaire et une force internationale. Si les États-Unis veulent résoudre, ils tapent n'est que font tweet
il t'a dit ils ont comme moi ces chefs au mieux m'ont déposé déposer toutes armes ils ont déposé toutes armes il t'a dit le mois sans jour déposer toutes armes il t'a déposé toutes armes il t'a invité l'homme comme c'est des deux ambassades américaines où était et l'autre ambassade là c'est un territoire un pré territoire américain qui prolonge sous terre d'Haïti. Alors, vite l'homme était dans l'ambassade américaine. Et puis, on a fait entre des armes et vite l'homme, tout le monde est fini. Et on rentre à travers ce qui est fait interview là avec l'homme. Ce n'est pas un problème, ça, ce n'est pas un problème de sécurité. Monsieur, je ne pense pas que je vais continuer plus de bagaille. Non, prochaine intervention, peut-être mardi plus, mais je dis jusqu'à présent, on garde dans un mois, dans deux mois, qui sait quoi faire dans le pays. Merci, monsieur. Voilà. Compatriote Haïti Fresham, professeur a dit tout le bagaille, oui. Compatriote l'a dit tout le bagaille, effectivement. Dernière partie intervention, elle fait mourir en pile. Parce que c'est chaque jour n'attendait gagner des formateurs américains, canadiens, espagnols et qui a entraîné unité spécialisée dans la police. Il a entraîné SWAT, il a entraîné CATIM, il a entraîné USP, USGPN, il a entraîné UTAG. Et puis au moment où t'entendais d'où il a prévoyé 2000 policiers Kenya pour formation. C'est comme si. Là, on est flou. C'est pas que les policiers Kenya ou bien formateurs Kenya ou pas qu'à former policiers nous, non? Mais, pas oublier, en termes de sécurité, en matière de sécurité, dans le domaine ça, il y a États-Unis, Canada, pays ça, top. Et puis, il y a même formateurs qui ont baillé et agents nous, policiers nous, formation. Nous, c'est temps qui a passé, c'est Tito Tolalito mascarade, juste à faire passer pour bien ranger l'agenda, reprendre, bien fin régler, causer, tout ça, rien pour régler, tout ça, rien pour résoudre, et dans le pays, et puis nous-mêmes, on comprend? Et puis, il y a fait démagogie politique, il y a fait démagogie économique, moun a mouri, moun a kidnappé, moun a tombé en babal bandi, il y a même pas ouais, il y a fait pas. Donc, compatriotes haïtiens Fresham, calégez-nous. Nous gagnons BESAP qui décide eux-mêmes pour le travail côte à côte avec le Conseil présidentiel de transition, nouveau gouvernement pour le monter, pour aider à résoudre rapide, pressé, problème qui a tracassé mille peuples haïtiens. Et c'est une bonne décision pour un pile monde. Et comme ça, tout, il y a un pile monde, moi, sur les réseaux qui a voué Tiglo et sous, et agent Kodjo qui lui-même lui parle. On va regarder, étant donné ensemble avec tout détail, toute explication que BESAP, que l'agent BESAP lui-même, lui a baillé. Bon, soit faire un nouveau gouvernement, on nous a parlé des révolutions, pas bien. Nous continuons à parler des révolutions, parce que révolution, nous avons parlé de l'IA, spécialement moi-même. Par contre, si tout le monde a parlé des révolutions, il n'y a pas seulement une révolution pour changer le gouvernement, nous avons besoin de tel type de monde, non. Son révolution qui commence de tout, révolution agricole, ok, révolution industrielle. Ça veut dire que nous avons parlé de plusieurs sortes de révolutions. Et après, nous avons concentré sur la révolution agricole. Là, c'est ça qu'il faut. Ouais. Nous avons engagé et nous avons obligé de camper en façon du gouvernement pour nous être capables de revenir les jeunes peuples dans une bataille qui a souffert dans la révolution agricole. Là. Et après, c'est une révolution nous dit qu'a frappé fort dans le pays. Nous réussissons le canal et presque dans tout le pays, il y a un canal qui a fait. Et il y a un canal, il y a un canal qui est presque fini encore. Ça veut dire que nous avons avancé loin dans la révolution agricole. Là. Et nous avons une révolution environnementale. Et c'est une raison pour laquelle 5 juin, nous avons participé à une plantation de 12 000 pieds de bois. Ça veut dire que nous avons parlé de révolution mentale. C'est que tout haïtien supposé préparer mental pour avoir une capacité de Dessaline. Et nous ne pouvons pas oublier, Dessaline a une capacité, ou après même là, il y a une bataille. Blanc français a dit qui côté, est-ce que monsieur Taï, qui côté est étudié génie militaire, ni chapelle, pour ce travail ça. Mais pas oublier, nous tous avons une capacité de Dessaline. Parce que nous sommes petits de Dessaline et nous sommes descendants de Dessaline. Ça veut dire que nous avons une capacité de ça. Ces capacités ça, nous avons parlé de révolution morale là tout. Que Haïti a regardé l'histoire, a regardé chaque mot qui est dans le couplet hymne national là, pour nous capables de préparer le cerveau nous, pour nous capables de faire bataille ça. Ça veut dire nous pas seulement parler de changer le gouvernement. Mais aujourd'hui, il y a un gouvernement qui est formé. Bon. Tout haïtien même qui sont pensés nous tout à fait, n'attendent résultat.
tout haïtien qui a vu n'a pas un résultat. Moi-même, je ne peux pas faire un commentaire sur le gouvernement. Celle-là, ça me connaît. Je besoin chaque haïtien apprendre ça. Et nous-mêmes, journalistes, nous devons parler de ça. Il faut commencer à parler haïtien. Qui est le premier ministre? Qui est le sénateur? Qui est le député? Qui est le magistrat? Qui est le kazek? Qui est le besap? Qui est le policier? Qui est le gendarme? Ça veut dire pour chaque haïtien qu'on a là, afin que nous capables commencer la bataille pour nous dans l'autre pays. Parce que nous ne pouvons pas, ou même ça qui est passé déjà, pour nous toucher le corps, pour faire le job, pour faire la sécurité dans le pays, pour faire le service dans le pays, et pour regarder le peuple dans la rue, et puis pour regarder l'autre instance qui a fait le balle dans la tête, l'autre instance qui a fait le peuple. Nous ne parlons pas de ça. Dans le gouvernement, dans tout nouveau dirigeant qui a fini à Haïti, nous ne parlons pas de ça. Nous voulons que les dirigeants répondent à besoin du peuple, répondent à devoir. À sa peuple a besoin. Nous avons besoin de route, nous avons besoin d'électricité, nous avons besoin de sécurité. Ça qui est important dans ce moment-là, nous avons besoin de sécurité. Nous avons besoin de route, nous avons besoin de l'eau. Nous souhaitons tout gouvernement qui a fini, qui a répondu à besoin du peuple. Pour ça qui passe déjà, pour ne pas répéter. Mais si, toutefois, un gouvernement qui nous parle, on a besoin du peuple. Ou après, même ça qui est passé, ça qui a venu, il tout n'est pas passé plus mal. Parce que nous-mêmes, je nous dis ça, nous c'est petite soirée. Malgré nous dans l'État, c'est vrai, mais nous c'est petite soirée. Nous ne pouvons pas bien traiter que l'autre monde qui va voter des armes. Et ça qui fait nous obliger de venir rejoindre nous pour nous faire bataille. Nous-mêmes, si ça, nous voulons ce changement. Nous savons qu'il a demain, on commence ce changement. Demain même Bessap commence à battre bravo. Parce que depuis la population à battre bravo, c'est que c'est Bessap qui a battre bravo. Nous même c'est résultat en apte. Nous pouvons pas dire. Ça veut dire si le gouvernement fait appel avec Bessap pour servir ensemble avec le gouvernement, nous pouvons aller. Oh, nous c'est petit l'État, oui. Depuis que nous c'est chef l'État, ou chef l'État, ou chef dans l'État, ou c'est chef nous, oui, ou premier ministre, ou c'est ministre nous. Ou c'est président pays, ou c'est président nous, parce que nous-mêmes c'est l'État. Nous-mêmes sommes dans l'État, nous pas dehors l'État. Seulement nous-mêmes c'est mon camp dans l'État qui est conscient que les bagages ne sont pas aller comme ça. C'est une différence ça qu'il y a. Mais nous, c'est nous dans l'État. Et nous travaillons pour l'État. Et nous travaillons pour le pays. Ok? Pas de différence. Nous, dans la commune, nous magistrats. Demain, nous changeons, mettons notre magistrat chef. Parce que magistrat, c'est là pour gérer bien la commune. Ok, ça veut dire quel que soit le monde qui vient nous chef nous, seulement dans la droiture pour nous capables mener peuple ça au bon port. Il y a l'armée, il y a la police, il y a des sacs, et pour les sécurités à ravager, il y a une force étrangère qui va venir là, et comment comprendre ça? Bon, soit faire force étrangère, pour appuyer, qui a pris là, il sait pas comprendre. Force étrangère a fini dans moi ça. Comment est-ce qu'il a fini dans moi ça? C'est pas nous travaillons pour ça. C'est même Mounio, nous avons parlé de révolution, nous avons parlé contre eux. C'est le travail pour ça. Ça veut dire que son bagage nous travaille pour eux. C'est pour son plant, nous planter quand nous sommes arrivés pour lui donner des fruits. Ça veut dire que c'est nous-mêmes en tant que Haïtien et nous-mêmes en tant que Mounio Captio leader qui cause ça arriver là. Ok? Mais quand il y a force étrangère à venir, quand il y a chef gouvernement, nous ne pouvons pas contre qui contrat aussi, seulement nous-mêmes, ce qui nous-mêmes qui c'est petit l'État. N'a continué bail service, n'a continué bail service et nous demander plus moyens, plus équipement et nous demander logement, nous demander moyens tout parce que chaque grain de sable nous même nous fait trop déjà pour l'État t'a dit mais ça crée à nous mêmes là parce que nous mêmes nous c'est petit l'État et pas oublier nous mêmes nous c'est haïtien, nous c'est petit Dessalines tout, ok, indépendance santé pour nous tous. Il est temps pour l'État de nous, mais ça crée, vient nous de droit. Ok? Ça veut dire force étrangère. Nous, à condition l'État, nous-mêmes tout, nous en condition l'État, nous continuons à faire travail. Commandant Kodjo, nous connaissons le dernier moment où la BESAP fait un pile arrestation. Et comment ça y est ensemble avec la police? Comment la collaboration jusqu'à présent, nous faisons arrestation? Bon. La police, ça, je nous dis, si c'est bien protégé, nous avons un rôle dans le pays. BESAP. Qui se brigade de surveillance des airs protégés, fonctionne qui se garde environnemental, nous avons établi l'environnement, en plus, nous ne pas comprendre, il y a des gens qui toujours prennent, depuis qu'on dit environnement, il y a seulement pieds bois, il y a seulement bête. Nous-mêmes, nous vivons dans l'environnement. Ok? Parce que l'environnement, c'est tout ça qui entoure nous. Ok? Ça veut dire nous-mêmes, comme garde environnemental, nous là. Depuis nous, on côté, nous là, pour être capable de travailler de concert à toute instance.
qui dans l'État. Et nous là pour travailler des conseils avec le peuple pour nous capables un bon résultat, pour nous capables de primer un service. Lorsque nous faisons arrestation, pas oublier nous-mêmes. Dans le champ de ça, nous jouons dans une ville là. Ville là, un paquet de civils qui ont été pression et commencé à faire un paquet de désordre, en train de faire un paquet de bail. Nous pas qu'on a vu, nous pas oublier dans moment là par rapport aux faiblesses qui gagne au niveau de notre institution. Nous même nous devons chercher ça, même pour nous pas quitter ville Wanamet. Comme son ville qui passe même Jacques Capital là, parce que Wanamet recevoir mon dans tous les départements. Nous pas garder bail là comme ça. Nous devons obliger population dit mais ça aider nous. Est-ce que nous avons quitté gang pour Wanamet? Et nous répondons à l'appel et pour moment là nous capable tout. Ma pile résultat a commencé à tomber, quand pile bagaille qui était chaud dans la ville là, tout si vol commence à chercher pour nous mettre corps à eux, mais qui te folie gang, nous étirer attention ça dans la tête. Là nous prenons, si gen pour faire comme ça, nous relégions de faire comme ça jusqu'à avant, ou bien si le tribunal ouvre, nous menons au tribunal, la justice pour capable faire reste là. Le tribunal va ouvrir pour le week-end, nous écrivons un rapport. Nous écrivons faire, qui ça nous fait, et puis nous remettons dans le commissariat après avoir, et puis deux, pour la justice faire suivre. Parce que, ouais, on a même, malgré pas qu'il y ait un pile juge, mais juge vraiment collaborer, dans ce sens-là. Parce que juge d'accord, si on a même bien gang demain, petit, si on a outil, quoi, un pile monde, conscient, on dit, ah, travail ça, ou bien monde qui touche pour faire, oui. Parce qu'il n'y a pas même dans le cas d'attribution de ça. Mais il est conscient que c'est à nous pour faire appel là. Parce que c'est à nous pour nous. Et nous disons ça déjà. Nous avons service, Jisma et Mi. Ok? Et nous gérons pour nous continuer à faire service. Et c'est une raison nous dit le gouvernement. Nous-mêmes, c'est le résultat de notre gouvernement. BESAP comme service, comme ça nous fait pour payer déjà. De quel que soit le gouvernement fini qui est pays, il y a pour BESAP en premier, avant mais... tout. Et qui dit que BESAP, c'est le peuple là. Parce que BESAP a travaillé beaucoup de peuple là. Pour continuer à répondre à des besoins de population sur le plan sécuritaire, est-ce que nous avons moyen de faire des choses pour ça? Est-ce que nous avons des matériels? Non, pour faire matériel, qui on va nous utiliser? Nous-mêmes, j'ai toujours dit, parce que nous songeons les notes d'informatique. Ils ont toujours dit ça. C'est bon sens nous qui servent nous comme guide. Nous. Ok? Nous, ouais. Si nous quittons la dégénérer, nous ne pouvons pas faire un avec. Mais avant de dégénérer, parce que si on arrive dans la capitale, là, c'est parce que c'est pas comme ici. Tout le monde, parce que nous vivons dans le pays, tout le monde a critiqué, tout le monde a dit ça pas bon. Nous ne pouvons pas poser action. Quand on fait un accident, là, il tombe. Il tombe dans tout le monde a dit mais l'hôpital. Pourquoi j'aime bon monde qui dit on aller à l'hôpital? Ça veut dire que c'est ça que le pays arrive là. Nous même ça, nous pas seulement dit ça pas bon. Quel que soit ça, nous dit pas bon, nous mettons main. Nous mettons main avec le peuple à venir nous. Ça veut dire pas oublier. Même Jésus dit ça, vous êtes venu pour proche là, il y a toujours attendu le monde pour commencer. Et bien quel que soit ça qu'il faut nous révéler, c'est parce que le peuple a toujours commencé. Le peuple a pris le monde, pas de monde pour au secours. Chaque jour, je n'ai pas ça là, moi-même, c'est moi qui condoléance. Yo, imagine, nous marchons dans l'administration de ça là, pour nous dire, mais pour nous, ça sous responsabilité, on se met pour garder, oui, agir parce que nous ne pouvons pas perdre un ami. Rapide, nous parlons avec le magistrat à la ville là, nous disons, ça qui a passé à l'étroit, nous disons, est-ce que nous avons assez de moyens? Nous disons, nous n'avons pas de moyens. Mais avec ça, nous avons, nous faisons ça, nous sommes capables. Avec bon sens, nous avons un pile résultat. Malgré la ville en pile, même pas besoin de nous voir résultat et au calme que n'importe monde dans population mande qui résultat nous bail bon ouais la journée les soirs nous bail plus service tout les soirs nous pas besoin bail technique pour utiliser mais nous avons quantité nèg dans l'arrière pour empêcher il te met les soirs monde pas entrer dans ville là venir conseiller des désordres pas bien même grand pays des petits vols qui a toujours des petits vols petit même grand pays côté qui sécurité côté qui combe 1000 soldats. Mais pas j'aime si on vole. Ça veut dire que nous-mêmes, nous faisons mieux de nous-mêmes. Et nous disons ça. Jusqu'à ce que l'État vienne accompagner nous dans la bataille d'affaires. Jusqu'à ce que l'État vienne vendre nous ça, nous avons besoin pour travailler plus. Nous allons continuer dans le service. Mais en attendant, nous attendons l'État pour l'État dans nous sacrer bien nous des droits. Parce que imaginons, nous c'est l'État et nous avons tout droit. Nous avons tout parce que nous-mêmes, imaginons, ça prend longtemps, ça.
mais ça crée surtout dans l'état, c'est pas comme ça mais ça prête l'uniforme, ça arrive comme ça nous été nous fait tout ça sous mais pas comme ça, ça veut dire nous dans l'état, mais nous souhaitons nous gagner l'état qui prend engagement envers Bessap, qui prend engagement envers le peuple là. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas pour critiquer. Je nous pose des questions sur le gouvernement. Nous ne pouvons pas critiquer. Mais nous-mêmes, c'est le résultat de l'attente. C'est là nous avons tendu. Bessap ne va pas critiquer. Mais moi-même, quand en tant que jeune pays, je n'ai pas besoin de l'autre pays pour manger, pour travailler. Nous avons des points, nous avons énergie, nous avons travail. Quel que soit nous travaillons dans Bessap, nous avons l'école. Nous avons l'école, nous avons plusieurs médecins à prendre, et nous-mêmes, c'est dans l'université, tout le temps, tout le monde, nous avons plusieurs autres travail que nous avons fait dans le pays. Nous avons mis l'uniforme ça de côté, nous-mêmes, comme citoyens, comme jeunes, nous avons le travail qui n'est pas de côté. Ça veut dire que nous avons besoin d'un bon état, nous avons besoin de résultats pour toute chaîne, côté pour tout le monde qui vit dans le pays. Allez. Bon, soit faire un nouveau gouvernement. Voilà. Compatriotes haïtiens, frères et sœurs, nous attendons. Non, bon timamit, tout détail, Kodjo li même li tabaye sous question Bessap la. Et gobaye qui est extrêmement important, li dit, mais espérez nous comprendre ni. Jean pays en pralé là, Jean bagay yo ap dégénéré dans pays en là, mreme dit le map continue dit, échec conseil présidentiel transition, c'est échec pays d'Haïti, c'est échec peuple haïtien. Échec premier ministre Gary Conille, c'est échec peuple haïtien, c'est échec pays d'Haïti, c'est plus insécurité, c'est plus gangou, c'est plus misère, c'est plus chômage. Journée aujourd'hui, qui sa pays d'Haïti apten, qui sa peuple haïtien apten, y apten résultat. Et résultat y apten nan compatriotes haïtien frèsèm, c'est résultat positif. C'est ouè instabilité, c'est ouè sécurité blay nan pays yon, c'est ouè ka circulé, c'est ouè ou même qui nan diaspora ou ka mette tike ou ka fè tike ou pour rentrer nan pays ou son pas besoin tracasser tête ou son pas besoin soucieux de insécurité, est-ce que yon pas kidnappé ou est-ce que yon pas assassiné ou est-ce que yon pas chance tourner etc etc. Journée jodi c'est pour ça nan bataille. Nous besoin l'autre Haïti côté que nous ka vivre dans pays nous ka fonctionner dans pays nous. Mais malheureusement si n'ap suiv démarche politique nèg yo, nou nèg yo plus besoin accaparer le pouvoir pour yo kembe système criminel, système pesé sous ça en place. Et alors que ce système ça depuis dix d'antan, c'est lui-même qui plonge nous dans chaos ça, c'est lui-même qui plonge nous dans insécurité ça, politicien qui fait alliance avec gang, politicien qui fait alliance avec mafia économique pour préserver intérêt pour continuer faire l'argent, bénéficier contre malachon. Journée aujourd'hui là, pour qui ça nous pas l'état qui dit bon OK. États-Unis sanctionné Bidjo, yo tout profiter fouiller chercher dans la coupe pays d'Haïti combien contrat malachon ni te bénéficier, combien contrat malachon groupe client te passé et est-ce que te dans financer gang à qui niveau etc. pour yo poursuivre yo. C'est comme si nèg ki dans secteur privé yo intouchable. Classe politique yo dou ancien sénateur dans financer gang dans créer groupe bandi dans pays ya. États-Unis sanctionné, Canada sanctionné. Mais pas aucun commissaire gouvernement, pas aucun juge d'instruction qui dit yo a tout profité ouvrir une enquête pour yo connaître niveau implication yo. Non qui niveau yo participer, non qui niveau yo financer etc. pour tout mettre moun sa yon côté pour machine pas frapper yo, tout retirer à cran sa yo, tout retirer quoi sa yo, tout retirer yo nan politique pays, tout retirer yo nan vie peuple paisible. Non, vie haïtien qui voulait vivre libre, qui veut vivre tranquille en toute sécurité, en dedans pays, yo, mais non. Yo préféré quitter opportunité, les nègres a yo rivé encore, joindre tout vide pour yo faufiler quand yo pour rentrer dans politique, pour yo régénérer tête yo. Et c'est ça, oui, système nan compatriotes haïtiens français. C'est ça que système nan. Mettez en place yon group moun, mettez en place yon structure côté que moun sa yo pa jam pa la, c'est pas ka pa la yo, c'est magi yo et yo nan tout sauce. Et c'est ça journée jodi an la k'ap krasé société. Nous pas capable comme ça, nous pas capable continuer comme ça. Ou tant d'anciens sénateurs de la République, bon déclaré sénateur en fonction, après exemple, ou gen sénateur Nendel Kassi, ou gen sénateur Beauplan, ou gen sénateur Antonio Cherami Don Kato. Ou gagné un paquet l'autre qui était dans parlement qui était monté bloc opposition sous Jovenel Moïse. Nèg sa yo crasé chaise, yo crasé bureau, yo vandalisé parlement. Nèg sa yo démonté bureau parlement pack en pack.
Yo souye parlement, yo rentre avec Tirasta, équipe Don Kato a rentre avec Tirasta. Sans compter de dossier poupou. Nèg yo badi jonne parlement, mes compatriotes haïtiens, franchement, sérieux. En sérieux, pas jamais aucune démarche qui fait pas bon côté la justice pour dire nèg sa yo, c'est poison yo te pour pays pendant un bon bout de temps, c'est poison yo te pour parlement pendant un bon bout de temps. En dépit du fait, nous avons constitué un bloc de l'opposition, mais ça n'a pas nous droit pour nous lever le bureau, lever la tête, nous frapper la tête, craser bien l'État, destruction bien public, et puis pas gagner, commissaire gouvernement pour suivre nous, et puis, yo créé opportunité pour même nèg sa journée aujourd'hui, yo continuer à parler dans Figi Moun, et yo préparé terrain pour retourner dans le Parlement encore. Non, nous ne pouvons pas prendre, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Joune jodi a compatriote haïtien frère Sam, nous besoin moun ki ka penser pays, nous besoin moun ki ka penser et Haïti ki stable, Haïti ki prospère, Haïti ki gen stabilité kote n'ap ka vivre tant pou moun. Mais c'est pas déchet politique pour n'ap régénérer, pour n'ap retourner avec yo là, pour nous penser pays a pral décoller, pays a pral aller vers l'avant, etc. Non, li pas possible. Compatriote haïtien frère Sam, bagay la tellement est difficile. Tellement voisin nous, tellement international, ouais, pas rien sérieux qu'à régler là, eh bien, Abinader li décide dans un moment pour monter volume, non, et soit haïtien qui vivent en République Dominicaine. Yo. Donc, non seulement haïtien qui vivent en République Dominicaine, mais tout, et haïtien qui quitté Haïti pour rentrer la caille voisin. Donc, nous allons regarder avec moi, et comment situation y est sous frontière là, parce que depuis hier là, et Dominicain empêché haïtien rentrer sous pas gen visa, sous pas gen passeport qui gen visa sous li. Et donc bagaille la antigent gen tension. Donc nous connaît comme haïtien yo rete aller là, yo croisé camion sous frontière et cetera. Fok indécision ça yo, fok yo retire yo, mais yo pa wè tête yo, non, yo pa wè pays yo pour yo bataille pour yo construire, non, mais yo toujours pote bourré. La caille voisin, on nous a suivre ensemble avec m qui gen situation li même. L'étape évolue. Nous saluons les amis internautes. C'est un plaisir pour nous d'être capables d'entrer la CAIO et pour nous être capables de montrer exactement comment la frontière va la mettre avec d'abord dans le moment où nous avons parlé là. Et je dis là, et camions, et trailers, machines, bourrettes presque en difficulté et pour capable entrer en République Dominicaine puisque les Dominicains ont pris une décision que depuis chauffeur, pas de passeport ou pas de visa. Yo pas gagner accès pour capable traverser en République Dominicaine ou bien son 7 dollars et pour être capable gagner pour capable entrer en République Dominicaine et c'est raison ça qui fait que matin là des difficultés et pour un peu le monde entrer en République Dominicaine n'a regardé que machine et petit chauffeur et me ka di et chauffeur qui prend ti marchandise malere au côté et aller et à travers pays d'Haïti monsieur ça ou mettez machine yo en quoi devant et barrière République Dominicaine là puisque monsieur Dominicain t'a fait quoi que c'est seul gros trailer et qui capable gagner accès pour entrer en République Dominicaine si chauffeur et prend machine yo que yo mettez en quoi dans espace temps là pour empêcher et trailer capable entrer comme ça donc regardez et grand pile monde qui a sorti en République Dominicaine qui a entré à Haïti là regardez et c'est après un pile check-up que yo fait pour yo yo garder et qui genre de monde ça voyez qui ça au côté donc tout de suite après que yo fait au traverser espace temps là et bien que grand plein qui porte charge mais qui pas accès à une motocyclette ou sinon une machine privée pour qui t'a capable porter ça que yo gagner entrer en Haïti jambe internet donc c'est comme ça ça est et nous même nous là seulement pour nous permettre de vivre et ouais comment que haïtien a subi en pile et difficulté et pas bon côté et pas bon côté dominicain en Haïti donc pour sortir en Haïti entrer en Dominicaine c'est avec un pile et difficulté donc pour sortir encore et c'est un pile difficulté en même temps rentrer son problème sortir son problème. Donc, et maintenant, là, son situation et détention et pour les Haïtiens, et son situation détention, et puisque chauffeur, on dit que même demain, si tu veux,
si que yo pas lever condition ensemble de conditions que yo mettez pour capable et retourner sous décision ça pour empêcher que et monde qui gain visa seulement ou sinon sur pas gros dollars ou pas rentrer en République Dominicaine dit que faut que Dominicain lever et lever ensemble de conditions ça. N'a pas regardé pour aujourd'hui là, il y a plus chef contrairement je qui sont passés, il y a plus chef et sous frontière pour situation ça cap dérouler là capable bien yon calme dans mien tel. Donc n'a pas regardé comment ça est. Et bon chef pop cap fait et bon chef et cap checké et passeport et citoyen ça ouais. Depuis quoi rentrer yo pa wè ke ou moun ki fwe depuis c'est moun ki et bon ça parce que c'est dans marché ou parler ou pas que bien passé mais pour que ou même ou traverser ou ta gon habit en tant que agent citoyen et là comme et moun ki pral faire touriste dans pays ou sinon moun ki pral nan et l'autre activité dans pays faut que yo checké et passeport pour wè là ou fin checké et ou fin checké pour citoyen et citoyen gen accès donc. Et depuis on pense que c'est dans marché pour aller et condition yo même la plus facile et pour capable entrer en République Dominicaine jeudi dimanche à la zone et son situation et nous capable de savoir nous pas connait qui côté et ça qui arrivé et nous pas connait combien de jours et ça qui prend si que condition ou pas levé et puisque chauffeur dit que et pas gain monde qui ca fait que et yo retiré machine là tout temps que et on pas retourner sous condition là. Bien. Voilà, compatriotes haïtiens frères sœurs, c'est situation ça qui gagne sous frontière haïtiano-dominicaine en Guanamet, côté que République dominicaine et service immigration République dominicaine ont décidé, il a monté volume, il a corsé et condition entrée en République dominicaine. Nous songe quand tu t'es tollé bagay ça t'es fait là pour rentrer Saint-Domingue et li t'es mettre ses machins nouyé faut enregistrer faut faire un point etc. Bon finalement yo ouais bagay ça t'a font paquet parler en pile on paquet perd du temps tout pas bon côté et machins yo qui en République Dominicaine qui t'es vraiment énervé donc finalement yo rale on a bien dans le cacole li retirer plus ou moins ensemble de décision que yo t'es mis yo t'es imposé. Eh bien, kounye ya, ou konne, li fèk retourne, li fèk kreye lui la, Abinadel senti, et kounye al gen pou wa sou Haïtien, kopren, se kounye al pral piafe sou Haïtien. Et l'anik leve depuis hier la, yo di, pou rentre en République Dominicaine, et fòk ou gen visa, et fòk ou gen, et fòk ou passeport valide, fòk ou gen visa valide sou li, etc. Alors que, pa bliye chauffeur moto 3 ou 2 ou, ki yo même ap rentre, Saint-Domingue prend marchandise sorti avec lui, yo pas te demander yo bagaille ça, pas te exiger yo. Yo nous seul moun ki ka rentrer c'est chauffeur trailer, yo moun ki pral prend ciment, moun ki pral prend fer, ki pral prend paquet marchandise, vous comprenez, faut comme la fête. Faut comme la fête. Secteur et secteur privé haïtien, secteur privé dominicain, yo attend yo, comprenez, yo créer un couloir, yo faciliter marchandise sorti pour venir débarquer et dans pays pas noir. Donc moun yo vraiment chauffeur moto yo vraiment remonter croiser moto parce que yo dit c'est violation yo violer droit yo etc. Mais gros bagay m veut nous comprendre gros bagay qui extrêmement important en tant qu'haïtien faut nous commencer suspendre avec et démagogie chaque coué République Dominicaine prend décision la Kaili Abinadel prend décision dans pays tête nous chaud n'a pas en pile et ses droits nous y a violé etc. République Dominicaine, Abinadel, Dominicain, ultranationaliste, raciste, ça, yon pa vle ouye Haïtien, yon pa reme Haïtien, met ça dans crâne nous, met ça dans tête nous. Et le jour nous inculquer, le jour nous comprendre tout bon, Dominicain pa reme nous, Dominicain pa vle ouye nous, tout Haïtien qui en République Dominicaine qui conscient que, faut que c'est la caille pour nous construire, faut que c'est pays pa nous pour nous faire pays moun pa pays pa nous, ma nous garantit. Jou nous prend conscience ça et puis nous dit n'a vinn goumé pour nous faire la caillou nous rester après humiliation. N'a prend déception. N'a prend coup de bec. Nan mes dominicains sans raison valable parce que nous toutes ces moun compatriotes haïtiens frères sœurs, nous toutes doit traiter tant comme moun, nous toutes doit vivre tant comme moun et bien là ça dominicain a réfléchi deux fois avant humilier haïtien.
Pour ça, ça Dominique a besoin haïtien. C'est pour aller travailler dans le champ canyon, pour aller couper canne pour yo. Al travaille dans le champ tomate, al travaille dans le champ miton yo. Vous comprenez? Al travaille dans la construction, prend risque Dominique pas prend pour nous faire la caillou belle. Pour nous relancer l'agriculture la caillou, pour nous relancer l'économie la caillou et puis nous-mêmes y a crasé boudan la caillou pas nous. Ça pour ça Dominique a besoin haïtien seulement. Mais après ça, il va considérer nous dans le monde. Nous pas connait comment Dominique a metté haïtien dans camion déportation yo. On machine qui t'a supposé prendre 15 20 moun, yo fait prendre 200 moun. Yo fait prendre 200 moun. Tant qu'ou bête puis mal que bête, dans pays sérieux, dans pays côté respecter droit moun, yo respecter droit bête. Ou pas qu'à faire bête là n'importe bagaille non. Eh bien Dominique yo pas même garder nous bête. Vous comprenez? Donc journée aujourd'hui hein, là ouais Abinader, là ouais et République Dominicaine a pris décision, yo connaît c'est pour yo humilier nous. Donc nous même moment arrivé pour nous camper, pour nous construire, pour nous défendre la caille nous parce que c'est la caille qui la caille. C'est Haïti qui paye nous paye moun, pas paye pan. Compatriotes haïtiens frères sœurs, n'avancer. Nous gagné professeur Michel Soukan qui t'a fait une intervention. Et intervention si là, m'a pas caché dit nous et pas professeur Michel Soukan, il pas jamais rater occasion pour le mettre sous tapis un ensemble de bagages qui a tracassé bille société, qui a tracassé bille pays. Donc, il est extrêmement important pour nous attendre ensemble avec moi, pour nous poser problème. Et ensemble, regardez qui ça nous a bâillé, peuple haïtien, bâillé pays comme perspective pour nous continuer à goûter, continuer à faire bataille là, et pour nous sauver pays. Nous, parce que si nous ne faisons pas rien pour pays, il n'y a pas aucun monde qui a fait. Parce que nous, ouais, pendant des années, vous comprenez? Pendant même États-Unis qui ont même qui imposé nos démocraties après 86, qui érigé au père de la démocratie et en Amérique, eh bien même yo même la caillou yo konn comment pour yo traiter démocratie, hein, pour yo traiter principe démocratique, yo, pour yo respecter, pour yo courber en bas yo, et puis la caillou pa nous yo piafé sous li yo pilonel. Rien pas respecter la caille pa nous. Yo pas tande voix peuple qui dit yo pas vle conseil Segui Philippe yo vle. Yo pas tande cri population qui dit yo te vle pour Jovenel Moïse te faire référendum. Yo vle la mède dans pays yo etc. Yo même yo pas vle. Yo pralé dans ligne pal. États-Unis pralé dans ligne pal et entre-temps nous voit comment politique la pralé. Entre-temps nous voit comment classe politique la décrié. Nous voyons comment classe politique, le peuple n'a pas fié pour 11 centimes. Il n'a pas fait confiance pour yon yota. Vous comprenez? Mais c'est yon blanc parce que c'est yon qui résoudre l'agenda blanc. C'est yon qui participe à blanc, à craser pays, à déstabiliser pays. Donc, blanc vle, le peuple n'a pas vle, blanc vle. On a compris. On a regardé de tout détail, professeur Michel Soukan lui-même, li a bay. Je vais poser une question. On pose une question banale, simple. N'importe qui est adolescent, 18, 19, 20 ans, qui a besoin de courant pour répondre. D'après vous-même, si ça qu'a fait la journée aujourd'hui, c'est un guérilla révolutionnaire de gauche qui a fait là. Il n'y a pas résolu longtemps déjà. Amérique a quitté la déployée comme ça là, en toute indifférence. Il n'y a pas d'après qu'on connaît quoi des âmes sorties, qu'est-ce qu'a acheté, qu'est-ce qu'il se voit, qui peut être posé, et puis qu'est-ce qu'a distribué, qui m'a pas tenu, qui est-ce. Il n'y a pas d'apprendre déjà. Moi, j'ai vécu la répression de 69. J'avais 14-15 ans à l'époque, je me suis fait là-dedans. La répression de la guérilla. Avec été impliqué jusqu'au coup là-dedans. C'est dit que tu as dicté le service secret de l'armée de Duvalier qui ça pour le faire. Donc, si je n'ai jamais dit que toutes les autres, ça fait de l'armée qui n'est pas dans parce qu'ils s'en foutent. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur pays. Alors, moi, je veux faire quoi que ça n'a vive aujourd'hui, là, Michel Soukar. C'est du déjà vu, c'est du déjà vécu. En Haïti. Si c'est sous base, non, grande différence, qui vient, c'est que, premièrement, fois ça, vous gagnez des jeunes qui sortent d'origine paysanne, mais qui levaient dans la ville, dans des quartiers abandonnés, délaissés, ça aurait les binovilles, qui ne parlent jamais qu'on aurait une vie digne d'un être humain, et qui n'ont le chômage, et qui viennent disponibles comme force de frappe. Yo joignent le président utilisé, yo, ben yo cop, ben yo zam, le jeune politicien fait tout, le jeune homme affairiste fait tout. Et puis qu'on y a là, yo vin un comportement de capable les mêmes de mercenaires. Je travaille pour Y, je travaille pour Y, etc. C'est pas du tout la même chose que le cacoïste de Péralte. Mm-hmm. Maintenant, yo même tout,
Oui, mais gagne... même avant Peral, par exemple, c'est oui, il n'y a pas la parenté à mercenariat période... Avant Peral. Avant Peral, là, au reste à mode, avec Mathéo Dov, il me guillot. Même un petit peu, c'est Sénatus Lecomte, mais qui dit, Kako Lecomte était beaucoup moins violent que Kako Tranexa. Mais maintenant, yo même, aujourd'hui, il y a plein cœur des villes, ils ne sortent pas des campagnes. Ils ont plein cœur des villes. Bon, peut-être que... parents sont capables de vivre à la campagne. Oui, bien sûr. Mais yo même, c'est la ville où Gandhi. J'ai un gars qui fait école primaire ou école secondaire ou la ville. Il y a des professeurs d'école parmi eux. Ce n'est pas des gens, c'est pas des gens on a passé à la qui bête, qui ignorent, c'est pas vrai. Mm-hmm. Mais maintenant. Précisons que on a parlé de chef gang avec gang Jodia. Oui. Jodia. C'est ça, Olé. Où est gang, non? Où est chef là? Ça ne habitue pas, mais par contre, qu'est-ce qu'il y a? Au bon qui m'a réfléchi avant. C'est qu'au cabinet, c'est des gens qui font l'université, c'est des gens qui font l'école. Mais la vie a météo là. La vie a obligé à faire ça à faire. Et puis, quand il y a là, il y a des gens qui sont disponibles pour une aventure, même Jean Kako, période là tout. Maintenant, il y a un armement moderne que monsieur ça n'a pas gagné. C'est des véhicules physiques, carabines, gras, manchettes, bâtons. Sauf qu'il y a été en pile tout. Et puis, deuxièmement, tout. Il y a eu les réseaux sociaux, les moyens de communication. À l'époque, et Peral Panapché dans un bois, il allait finir journaliste un journaliste qui relève pour l'interview dans la radio. Même dans le journal, par exemple, pas de bon journaliste qui a travaillé dans le matin, ni dans une nouvelle liste, qui pouvait chital, monter dans le bois, faire interview à Charles Mabel, tout ça après ça. Bagay était plus difficile, ça, ou bien. C'était la période de l'occupation, tout. Bon. Et puis, tu as des gouvernements. Même si avant l'occupation, c'est moi, mais en rayon, mais pas d'abgende qui n'a pas pris chance, on prend une main sous Michel Ourès pour aller dans le bois pour interviewer Ourès Zamo. Ni sous Ourès Zamo pour aller dans le bois pour interviewer David Ma. Ou bien sous David Ma pour aller dans le bois pour interviewer Vilbert Guillaume. Et bien sous Vilbert pour aller interviewer Osalvo Bobo. Pas que ça. C'est-à-dire que les réseaux de diffusion, de propagande, etc., aujourd'hui, sont à la portée de tout le monde. En lumière, ben, on tire lumière, on tire appel sur ça. Ville Guillaume, tout de suite après massacre Charles Oscar massacré prisonnier, lui-même toujours massacré. Ville Guillaume, Sam, il a entrepris. L'ambassade de France, il a tué. Et Américain n'est pas combien de temps pour embarquer? Oh, quelques heures. Aussitôt que Caperton était au large du Cap dans Batol, le Washington, aussitôt que vous voyez câble là-bas, mais ça cap passé pas au prince. Je me suis plongé descendre pour le prince et puis débarquer tout plein. Et mis au temps. Donc là, ça, il n'a pas besoin d'attendre Lord Washington, bah, comme ça. Non, il était gain Lord. Non, mais il n'a pas gain Lord pour lui. Il n'a pas connu, il n'a pas l'assassiné. Non, il n'a pas connu, mais Mango a mis le vingail. Est-ce que c'était pour protéger ses ressortissants? Ça a été le prétexte. Protéger ça a été le prétexte, protéger les ressortissants étrangers, les intérêts, etc. Mais ça a été le prétexte. Parce que pas de gain. Ni ressortir ces étrangers, ni intérêts étrangers qui étaient menacés. Et des fois même, des étrangers, hommes d'affaires, fournissaient de l'aide, des armes et de l'argent aux soi-disant révolutionnaires haïtiens. Maintenant, Michel Soukar, Américains ont débarqué, ils ont anéanti Charles-Marie Peralt. Non, Charles-Marie Peralt n'est pas venu après. Mais au final. Ils ont débarqué en 1915, ils ont pris contrôle pour Prince d'abord. Au fur et à mesure, débarquer tout, un peu partout. Et puis, quand il y a là, il n'y a pas le contrôle de l'État. Au fur et à mesure, il n'y a pas le contrôle du territoire. Il débarque fin juillet, il fait élire la Tignav le 12 août. La Tignav est président. Ça veut dire que y a un gouvernement haïtien qui peut entériner tout ça. OK? Maintenant, il n'y a pas le résoudre le problème Kakoua, le premier écrasement Kakoua, tout de suite. Il n'y a pas le voyer tout en or. Il n'y a pas le chita, M. Kako, qui est avec Osalvo Bobo. Entre temps, Osalvo Bobo rentre, Port-au-Prince, il fait l'entrée. Il met le chita à la Tignav. Il dit Bobo, si la Tignav président, est-ce qu'on a pédé? Nous demandons d'abord, la Tignav, est-ce que. Si Bobo président, est-ce qu'on a pédé? Monsieur dit oui. Il demande Bobo, est-ce que la Tignav, si le président, est-ce qu'on a pédé? Bobo dit non. Il n'y a pas un affaire, tout le blanc, bah, etc. Tout cause ça. Yo. Et que le peuple a pris un peuple a dit c'est le président pour final.
Donc, Bobo, ouais, que. Il pas dit bataille à tout. Mm-hmm. Donc, M. Pral prend bateau, il quitte le pays. Il n'y a pas le mot en exil. Il n'y a pas de chance là pour le sortir, pour l'aller. Oui, là. Il est en exil. Mettre des longues années plus tard. Maintenant, dans le Nord, l'armée américaine prend le chita avec les hommes qui étaient avec Bobo, comme Kako, les Kako de Bobo. Mm-hmm. Et puis, il prend le signe au traité, côté, il y a accepté de déposer les armes, comme des dit, les Momoisi, les Pétion, Jean-Baptiste, etc. Et puis, mais pas de bataille tout. Et puis, il y a dès que ça remettre. C'était le goût d'être. Mais il y a un parti lui-même, j'aime te dire, qui est irréductible. Comme au départ, c'était Josaphat. Ah non, c'est un des terribles. Même si on ne peut pas mourir malgré tout, non? Mm-hmm. Le Américain prend Fort Rivière, qui était base résistance pour l'exercice, c'est une ancienne fortification depuis sur la colonie, qui était dans la zone de, qui dans le nord. Il n'y a pas l'encercle, mais il n'y a pas l'encercle, il n'y a pas l'attaquer. Kakoula, par la néantio, ça a mouru, ça a fait prisonnier. Joseph a pas le rendre tête finalement. Bon, M. Pral mouru grand mon au cap. Ça, c'est le premier écrasement. Mm-hmm. On y a comme on dit où Kako mercenaire, il finit là. Tranche ça, que le compte inauguré, août 1911, il se va avec eux. Il prend pouvoir en 1911, il veut la caille. Il est en paix. Mm-hmm. De août 1911 jusqu'à décembre 1913, presque deux ans. Mm-hmm. Maintenant, c'est Orez Amor qui était proche le comte. Charles Amofrel qui était proche le comte. C'était les hommes de le comte dans le plateau central et dans le nord qui étaient ouais qui ça le comte était fait pour le prendre pouvoir. Mm-hmm. Donc, Negio dit pour qui ça nous pas fait même j'ai assassinatus. Mm-hmm. Donc, Kounia là, Negio a ressoulevé les Kako. Mm-hmm. Et puis, il n'y a pas de pouvoir. David m'a fait même genre. Est-ce que 2004, tu es rappelé au mouvement Kako? Ah, ben du tout. 2004, ça a été déguidé. C'est pas rien de. C'est pas. Ça n'a rien à voir. Est-ce que je dis pour parler de Kako, mm-hmm. Alors, il faut d'abord pas oublier un bagage. Gombas, origine paysanne dans le mouvement, hein? Même si la revendication, les récriminations paysannes, baisse du café, baisse du campèche, et des possessions de la terre. C'est son milieu analphabète. Il n'y a pas qu'à réunir revendications. Non, un document écrit. Même articulé, il n'y a pas qu'on fait discours à l'époque. Pas qu'un radio, pas qu'un réseau social, pas qu'une télévision. Mais, grosse situation économique qui rend mieux dans le chômage. Ça parle. Et qui fait que. Ça a un langage universel lui-même. Il est disponible. Disponible comme force de frappe. Et puis utilisé comme mercenaire. Qui a un problème gang en Haïti incapable de résoudre en définitive? Comment on a éradiqué? Pas aucune force d'État qui a résoudre le problème gang ça là, aujourd'hui. Là. Parce que, avec l'armement que vous disposez, connaissance que vous avez, parce que vous avez des barres qui ont fait là, c'est bon, bah, d'ignorant du tout. Donc à ce moment-là, il faut qu'on ait une force supérieure. C'est tout. Le problème devient, sur le plan technique, un problème militaire. Donc résoudre le problème gang, là, c'est une force militaire pour résoudre les. Ça nous gagne là comme pas, force militaire. Bon, l'après, si nous voulons ça résoudre en termes de force de frappe, mais tout autant que pour pas résoudre des problèmes économiques, les problèmes sociaux, pour mettre fin à cette société qui repose sur l'inégalité la plus absurde, la plus criante, où les résoudre là-là. C'est ça, mais la poursuivre, puis devant. Donc, nous condamnés alors? Non, pas condamnés. Il faut changer le pays, là. C'est ça qui vient. Comment? Par quel moyen? Par les élections? Ah, mais faut bon, l'autre projet économique, l'autre projet social, l'autre projet politique. Façon que vous faites politique en Haïti, c'est dit que de tout Haïti. Mais tout à coup, des monde qui joue à terre. Mais c'est toujours monde qui connaît, qui a des moyens en main, qui a pas alimenté. Et c'est comme ça que ça a été avant. Oui. Comme défendre le propre intérêt au détriment du pays. Ça veut dire que toujours considérer le pays comme un comptoir. Je considère Haïti comme un comptoir, je ne considère pas comme un pays. Michel Tsouka, on a parlé là de hommes politiques. On a parlé tout de monde. Et hommes d'affaires, tout. Et hommes d'affaires. Mmh. Haïtien comme étranger. Hein? Ah bon? Parce que Haïtien comme étranger a été dans le financé Kako. Tout. Donc, je dis à la gagne étranger là dans l'eau. Non, mais pas l'eau de Kako. Yo. Oh, de Kako. Yo. Oui, mais pour aujourd'hui, je dis à nous gagne seulement des politiciens et des hommes d'affaires. Je pose une question, Wendel. Je pose une question. Une question banale, simple. N'importe qui est adolescent, 18, 19, 20 ans, qui peut se rendre compte après.
D'après vous-même, si ça qu'a fait la journée aujourd'hui, c'est ton guérilla révolutionnaire de gauche qui a fait là, il n'est pas résolu longtemps déjà. Américain qui t'a déployé comme ça là, en toute indifférence. Il n'y a pas d'après qu'on écoute des âmes sorties, qu'est-ce qu'a acheté, qu'est-ce que recevoir, qui peut être posé, et puis qu'est-ce qu'a distribué, qui m'a apporté une caisse. Il n'y a pas d'apprendre déjà. Moi, j'ai vécu la répression de 69. J'avais 14-15 ans à l'époque, une des femmes là-dedans. La répression de la guérilla. Américain était impliqué jusqu'au coup là-dedans. C'est dicté, dicté le service secret de l'armée de Duval et qui ça pour le faire. Donc? Donc, si je n'ai pas dit, ouais, toutes les autres, ça fait de l'armée qui n'est pas dans les... Parce qu'ils s'en foutent. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur pays. Bon, on va comprendre. Gon business tal qu'a fait. Même si on va le dire comme ça, que c'est parce qu'ils sont impliqués là-dedans tout. Si je n'ai pas pour eux, nous n'avons pas aussi grave, je n'ai pas dit. Mais je ne peux que constater l'indifférence. Donc, selon vous-même. Pas nous causer. Où elle était guérie en Amérique centrale? Sérieux, dans les années 70-80, déjà à l'époque. Israël, qui est allié privilégié des États-Unis. T'es quoi, avion, t'es prêté, l'armée guatémaltèque. Avion, ça, depuis le passé en l'un aux autres. Donc, on le paye, ça, c'est des pays super boisés. Depuis le passé en l'un aux autres, même les âmes qui battent, elle. Voit pour mon bouquin bel là. En effet, années 70. Pas bien encore. Ah bon, ben voilà la question. Pas encore? Merci donc, beaucoup. Donc, si le Kachita, toutes les autres, ça va fait, c'est le fait qu'ils s'en foutent. Mm-hmm. Ou bien, ils ont intérêt là-dedans. Ou bien, est-ce que c'est pas parce que tout. Nous nuit quand nous trouvons tout? Il y a juste bon, tirer sur ça? Yo, non, il y a une façon qui fait, une manière que politique fait dans le pays, qui nuit le pays, et il y a des étrangers qui nuit le pays. Compatriotes haïtiens fraîcheur, c'est là que nous mettons en bout dans l'émission pour aujourd'hui. C'est un véritable plaisir pour nous partager l'information si avec vous. Restez connectés avec la chaîne pour cette programmation. Rendez-vous à l'autre dans une autre vidéo. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où est mes pays, et puis on agit. Désespoir de machination politique et l'ennemi. Mon éditorial vous dit tout. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si le lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, M. Chanel parle là pour qu'à bien informer avec